Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Bonjour Monsieur Mahfoud Kaoubi. L'ère des complots est révolue. Une déclaration du président de la République qui sonne le glas pour une nouvelle ère, celle de l'apaisement, de la sérénité, de la confiance, c'est essentiel dans le contexte actuel. Monsieur Mahfoud Kaoubi. Bonjour Souhila, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Tout à fait. Donc, passer du complot à l'apaisement, passer de l'instabilité à l'apaisement, c'est indispensable pour relancer les processus de remise en place et de reprise du travail sérieusement et pour lancer les réformes et produire le développement dans un environnement beaucoup plus apaisé et dans un environnement beaucoup plus stable, surtout pour les décideurs et les opérateurs. Sur le plan à la fois politique et économique, c'est nécessaire, social également. Oui, donc quand on parle de stabilité, on parle de détermination des responsabilités. Quand on parle de stabilité, on parle d'environnement favorable pour mener les réformes. Et donc on ne peut pas imaginer la mise en place de réformes, la reprise de développement dans un climat de suspicion, dans un climat d'instabilité, comme cela a été décrit lors de votre présentation, Madame Souhila. Alors, une nouvelle ère, une nouvelle approche, seule la compétence pourra garantir les réformes pour amorcer le renouveau, tel qu'annoncé aujourd'hui par le président de la République lors de la réunion Wali Gouvernement, c'était hier. Oui, donc la compétence est un facteur indispensable pour la réussite de tout projet. Et donc, comme le challenge est important, comme les objectifs sont importants aussi, et comme les réformes contiennent une bonne partie de défis qui nécessitent de la compétence et de la maîtrise, je dirais que la compétence et l'excellence est un facteur déterminant dans la réussite du projet de réforme et des différents projets de réforme qui ont été annoncés pour 2022 et 2023. Alors, valorisation des territoires. Les territoires, c'est la richesse. Une richesse égale développement. On doit réussir et amorcer cette symbiose de développement à travers tout le territoire national pour assurer justement cette confiance, cette stabilité, cette sérénité entre tous les Algériens, Monsieur Mahfoud Kaoubi. Oui, Madame Souhila El Hajmi, il faut préciser que cette notion de territoire est actuellement au cœur des théories de développement. Donc on ne parle plus de région, on ne parle plus de localité, on parle de territoire. Qui dit territoire dit potentialité, qui dit territoire dit spécificité, et qui dit territoire dit autonomie en matière de mise en place de projets de développement et de projets de développement économique et social. Maintenant, se réconcilier avec cette notion de territoire est un élément important dans le cadre d'une unité nationale, bien sûr, mais avec plus d'autonomie, plus de décentralisation pour la mise en, pour la conception des plans de développement et pour la mise en œuvre des plans, de ces plans de développement. Donc, qu'on revienne à cette notion, c'est un élément important. Il faudra surtout donner du contenu par rapport aux stratégies de développement local, par rapport aux modèles de développement et aux instruments de développement. Donc c'est ce qui est attendu dans le cadre de ces réformes et je remettrai le parallèle donc, par rapport à cette compétence qui permettrait donc, de réussir ce projet de développement des territoires. Alors autonomie de gestion, la décentralisation est un facteur de réussite de l'émergence, pour l'émergence de la richesse et bien sûr de la création d'emplois dont on a besoin, fortement besoin dans le contexte actuel. C'est important, la décentralisation, un peu essayer d'amoindrir le poids de l'administration pour permettre une meilleure gestion des territoires, puisque les territoires aujourd'hui, les responsables des collectivités locales, que ce soit le Wali, le chef de Daïra ou les présidents d'APC, doivent être à l'avenir les promoteurs de leur localité. Oui, donc qui dit promoteur, c'est-à-dire aller à la recherche de la richesse. Ouais, cette notion de décentralisation a été toujours au cœur du développement local, du moins au niveau des textes, que ce soit dans le code de la commune ou le code de la wilaya. Donc cette notion a été toujours
a toujours existé. Maintenant, comment cela s'est déroulé dans la réalité? Je dirais qu'il y avait un net décalage entre ce qui était prévu dans les textes et ce qu'on a connu dans la réalité. La vision de gestion doit changer impérativement. Tout à fait, tout à fait. Donc, la logique verticale qui a dominé préalablement et jusqu'aujourd'hui est pratiquement inopérante. Et tout le monde sait que les résultats qui ont été enregistrés avec cet esprit, avec des instruments que je qualifierais d'archaïques, ont été en net décalage par rapport aux potentialités. Maintenant, les potentialités existent, une nouvelle vision s'impose et elle est elle a été révélée lors du discours de Monsieur le Président de la République. Il faudra donc donner encore une fois du contenu à la décentralisation et changer les méthodes et les instruments de management et de gouvernance locale. Alors, pour la réussite de toute cette vision, la vision du président de la République, pour l'émergence de la richesse, bien sûr, et impulser une nouvelle dynamique sur le plan économique, il y a eu une batterie de mesures qui ont été adoptées dans le Code de l'investissement, dont les textes ont été promulgués la semaine dernière, exactement lundi dernier, les 8 articles. Ça va donner un nouveau souffle pour la gestion au niveau local et à travers tout le territoire national, puisque même le président de la République, il a soulevé le nombre de projets qui étaient en souffrance et qui ont été dégelés, l'équivalent de 800 entreprises aujourd'hui qui sont en activité. Il faut encore accélérer cette dynamique. Oui, et surtout ne pas reproduire les mêmes incohérences et les mêmes effets qui ont été derrière le gel de beaucoup d'initiatives et beaucoup d'entreprises. Voilà la chose la plus importante. Faire valoir la présomption d'innocence à la place de la présomption de culpabilité, c'est la raison pour laquelle le président il a dit l'ère des complots est révolue. Oui, l'ère des complots est révolue. On retient bien sûr son expression, les coups de banane. Oui, tout à fait. Maintenant, il faut revenir, il faut respecter les fondamentaux de la gestion, nommer des compétences et des profils qui répondent donc aux nécessités du développement aussi bien local que national. Et quand le choix est bien fait, je dirais que les possibilités de gel et les possibilités d'incohérence sont souvent moindres. Maintenant, il ne faut pas se tromper sur les profils et il faut bien préparer les programmes parce qu'on nomme des profils par rapport à des objectifs et par rapport à des programmes à réaliser. Il faut une obligation de résultat. Tout à fait. Quand on parle d'obligation de résultat, on parle de management par programme ou de management par objectif. Donc, vous voyez, ça consiste à un changement intégral, catégorique, dans la logique de fonctionnement. Il faut que cette administration soit au service du développement et non pas au service d'elle-même comme cela a été avant. Et que ce prétexte de se cacher derrière le manque de compétences ou de l'incertitude ou de possibilité de peau de banane ou autre chose, il faut que cela disparaisse définitivement du langage de gestion parce que c'est des situations pathologiques qui dénotent de la précarité et de l'archaïsme de gestion qui a toujours existé ou qui a existé, qui a prédominé jusqu'à présent. Donc, qu'on abandonne cela, qu'on passe à la sérénité, qu'on passe à l'évaluation par rapport à des indicateurs objectifs qui existent dans les méthodes de management modernes par rapport à des critères de contrôle de gestion et des résultats en matière de développement économique et social, Madame Souhil El-Hachmi. Donc, on libère l'investissement, ça c'est quelque chose de très très important, mais que l'administration soit au service de l'investissement. Donc, ces autorisations qui durent énormément, ces décisions souvent subjectives et qui entravent l'investissement, donc qu'on aille vers plus de liberté, moins d'administration, mais plus d'administration utile, plus d'administration compétente, plus d'administration au service de l'administration, au service de l'économie. Donc si on ne change pas ce principe, je dirais qu'on resterait otage d'une administration rentière et non pas une administration qui est au service de la chose économique. Mais quand on parle de compétences, cela veut dire que c'est fini les nominations de complaisants, c'est ça aujourd'hui qu'on entend
par la déclaration du président de la République, M. Mahfoud Kaoubi. Bien oui. C'est ce que vous dites à l'instant. Voilà, le changement réside dans cela, Mme Souheila El Hajmi. Parce que quand on a un programme de développement, on a des objectifs contrés et on met en place des instruments et des programmes. Et ces programmes sont mis en œuvre par des compétences. Donc le Wali, et pas uniquement le Wali, c'est toute l'administration locale qui devrait travailler en harmonie avec ses objectifs. Et plus il y a une déconnexion entre les objectifs, les profils et les instruments, plus les résultats sont loin des objectifs. Et donc un management, une gouvernance moderne s'articule autour de ces principes. Et plus on respecte ces éléments, plus on se rapprochera vers la création d'un développement et vers une réforme des manières de faire qui ont été jusque-là en déconnexion avec les objectifs de développement. Avec une obligation de résultat à tous les niveaux, même au niveau du gouvernement, puisque le gouvernement présentera demain au niveau du Parlement la déclaration de politique générale, c'est-à-dire son bilan d'activité pendant pratiquement une année. Alors, quand on parle de libérer l'investissement, il faut l'accompagner aussi d'autres mesures qui sont impératives, la modernisation de notre système financier aujourd'hui, qui devient plus qu'une obligation, M. Mahfoud Kaoubi. Oui, il faudra dire une chose, que les retards s'accumulent en matière de réforme des instruments qui produisent le changement économique. Et la réforme bancaire, la réforme du système financier, au-delà de quelques améliorations qui ont été exposées dans le cadre du compte-rendu du gouvernement actuel, donc une augmentation de quelques 40 agences bancaires, je dirais qu'on reste dans l'esprit, dans l'organisation, dans les instruments, on reste très loin des objectifs de modernisation qui sont indispensables pour accompagner cet objectif de création de valeur ajoutée et cet objectif de passage à une économie de marché concurrentielle. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir impérativement dans le contexte? Rapidement sur la question. Les banques jusqu'au jour d'aujourd'hui sont gérées beaucoup plus comme des administrations. Des lourdeurs importantes, moins d'agressivité, moins sur le marché, moins de connexion avec les marchés, que ce soit en matière de collecte, que ce soit en matière de distribution de crédit. Et je dirais aussi que sur le plan de l'organisation et sur le plan du management, un énorme effort devrait être fait, opéré sur le terrain pour réhabiliter les banques avec le marché et leur environnement qui est naturel et original. Alors le président de la République parle de la réappréciation de la valeur du dinar. On a vu cette dernière semaine, la semaine dernière, il y a eu quand même une hausse de la valeur du dinar par rapport au dollar. Le contexte s'y prête aujourd'hui. Est-ce que cette réappréciation doit être aussi accompagnée d'autres instruments qui permettent aussi d'améliorer à la fois le pouvoir d'achat et la valeur du dinar, puisque des augmentations sont aussi annoncées sur le plan salarial. Monsieur Mahfoud Kaoubi, rapidement sur la question. Oui, tout à fait. Bon, je vois que le gouvernement, monsieur le président de la République, le gouvernement essaie de stabiliser ou minimiser des effets de l'inflation et d'un environnement économique sur l'international qui est pesant, afin de maintenir un plan social plus ou moins stable, nécessaire aux réformes économiques. Maintenant, une conjoncture favorable a permis jusqu'à un certain niveau une appréciation du dinar, donc qui est la résultante de l'appréciation des prix du baril, qui a permis donc un solde de la balance courante positif pour l'exercice 2022. Et puis on parle de l'Algérie qui pourrait atteindre les 100 milliards de dollars de réserves en 2023. Moi, au-delà du chiffre qui me paraît un petit peu grand, je dirais qu'on a amorcé un processus d'amélioration. Ça, c'est la chose la plus importante. Et il faut qu'on s'éloigne par rapport aux chiffres qui, certes, peuvent être frappants sur le plan absolu, mais rester serein et relativiser nos constats afin qu'on soit rationnel et qu'on soit plus proche des conditions qui permettent les réformes sérieuses. Alors, M. Mahfoud Kaoubi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, sur la nécessité aujourd'hui d'aller en profondeur sur certaines réformes qui doivent accompagner justement le code de l'investissement, dont les textes ont été promulgués, les 8 articles, qui assurent aujourd'hui une meilleure visibilité par rapport à la gestion de l'investissement
effectivement à l'avenir, puisqu'il est question de recours en cas, bien sûr, de décision arbitraire de la part de l'administration, qui doit être à l'avenir justifiée dans des délais, bien sûr, et les délais d'exploitation. Est-ce qu'il faut déterminer tous les aspects au niveau de la banque, notamment pour les montants transférables, puisqu'il parle, la loi parle de montants transférables, donc toutes les questions taboues aujourd'hui sont discutées. Oui, exactement. Donc maintenant, certes, le code de l'investissement et les textes d'application ont été promulgués. Maintenant, il faudra que tout l'environnement, aussi bien juridique, réglementaire que financier, soit en harmonie avec l'esprit de ce code. Donc il faudra signaler que le code a étalé très loin pour assurer cette égalité, cette transparence et cette efficacité qui permettrait donc de libérer les capacités domestiques, mais aussi attirer l'investissement étranger. Maintenant, il faudra que sur le niveau opérationnel, l'harmonie suive. Et pour cela, quand vous venez de le signaler, justement d'ailleurs, cette question de transfert de dividendes, de transfert de bénéfices, devrait être clarifiée de manière à rassurer les partenaires ou les investisseurs étrangers. Et des nationaux algériens qui résident aussi à l'étranger, c'est-à-dire légaliser des procédures au lieu de recourir à des pratiques frauduleuses, comme ce fut le cas par le passé, comme l'exemple de la surfacturation. Monsieur Mahfoud Kaoubi. Oui, en attendant d'unifier les marchés, donc il faut aller vers cette harmonie, au moins sur le plan du taux de change officiel. Et mettre fin à cette économie parallèle entre le formel. Ça serait difficile. Il faudra entamer les processus de réforme et diagnostiquer justement ce qui ne va pas entre le formel et l'informel, entre l'officiel et ce qui est désigné comme non officiel. Maintenant, sur le plan déjà de l'officiel, il faut se rapprocher avec des règles d'efficacité et de transparence afin de permettre aux investisseurs d'avoir une visibilité qui dure dans le temps et qui permet de mettre les différents investisseurs au même pied d'égalité. Chose qui n'a pas été le cas durant la période antérieure. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je le précise, du moment où il y a une opacité par rapport aux différents textes, je dirais, sur le plan opérationnel, qui régissent des opérations précises par rapport au transfert, par rapport aux opérations d'importation, par rapport à plein de questions qui ont trait à l'activité économique elle-même. Et tant qu'on n'aura pas déverrouillé ces obstacles, je dirais que les capacités de libérer le potentiel qui existe seraient très faibles, comme cela a été le cas avant, Madame Souyed Al-Hajmi. Il faut accélérer cette cadence impérativement aujourd'hui, Monsieur Mahfoud Kaoubi, puisqu'on a besoin de richesses et on a besoin de création d'emplois. Oui, je dirais. Le France social aussi, oui, c'est important. Oui, on a essayé de tout faire pour maintenir un franc social apaisé. Ça a coûté énormément. Monsieur le Président de la République l'a signalé hier, donc que ce soit dans le domaine des mesures permettant de maintenir tant qu'il se peu le pouvoir d'achat, que ce soit par rapport à la remise par rapport au retard qui a été consommé en matière de révision des politiques de subvention, que ce soit par rapport aux autres réformes qui devaient être mises en place. Mais par rapport à tout cela, je dirais que tant qu'on n'a pas libéré les entreprises, la création de richesses. Monsieur le Président de la République le parlait hier du potentiel qui existe dans le domaine agricole et des résultats qui sont bien loin par rapport à ce potentiel. La même chose, par extrapolation, pourrait être dite dans les différents secteurs de l'activité économique. Et je le dis d'une manière très solennelle et claire que les investisseurs continuent à souffrir au niveau de l'économie et dans les rapports avec tous les partenaires, aussi bien administratifs qu'économiques, ce qui fait que des potentialités sont exclues actuellement du cadre, du marché économique, ce qui coûte à l'Algérie
en termes de développement, en termes de création de valeur ajoutée et en matière, en création de postes d'emploi, Madame Souhaïda El-Hachmi. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important aujourd'hui pour amorcer cette dynamique de développement, puisqu'aujourd'hui, l'Algérie affiche ses ambitions. Nous avons, bien sûr, actuellement, par rapport à la situation géopolitique et l'environnement international, le gaz et le pétrole, qui sont encore très dominants. Donc, nous sommes encore dépendants de la rente, développer d'autres secteurs. Les potentialités existent dans tous les domaines, puisque le président il a parlé de l'agriculture avec l'objectif d'atteindre les 80%, c'est-à-dire de taux de couverture au niveau national. Mais il y a aussi cette possibilité d'aller vers l'exportation avec le potentiel existant dans certaines filières qui sont excédentaires. Nous avons la pomme de terre, nous avons aussi des glutenours qu'on pourrait facilement exporter, que nous exportons pour l'équivalent de 70 millions de dollars. Nous avons également d'autres produits comme par exemple l'huile d'olive, les produits du terroir également. C'est important aujourd'hui d'amorcer toute cette dynamique en même temps, c'est-à-dire tout faire en même temps. Oui. Ou alors c'était pas step. Non, step. Moi, je dirais que libérer les potentialités permettrait d'atteindre tout cela. Parce que ça, c'est des résultats. Ça va de pair. Et donc, il faut qu'une entreprise, quand elle s'installe, c'est pour aussi avoir des objectifs. Voilà. Les fondamentaux, c'est qu'une entreprise doit évoluer dans un marché où les règles du jeu sont connues et sont applicables pour tout le monde. Une entreprise a besoin d'une administration qui connaît la chose économique et qui ne réglemente pas souvent à l'encontre de la logique et des facilités qui devraient exister dans le terrain, parce que encore une fois, beaucoup de textes s'inscrivent à contre-fou avec la nécessité d'une rapidité et d'une efficacité économique, Madame Souhaïda El-Hachmi. Et je dirais que laissons l'entreprise se réconcilier avec la réalité et réduisant un petit peu de l'intervention d'une administration qui devrait, d'ailleurs on parle de réforme administrative, qui devrait connaître plus le monde de l'économie. Parce que, à mon sens, beaucoup d'aspects de la réglementation ne s'inscrivent pas en harmonie avec la logique de la rapidité et de l'efficacité économique. Et ça nous coûte par un manque d'investissement, par une instabilité, une peur qui habite les investisseurs. Et donc, on parlait tout à l'heure de la peur qui habitait les Wali. D'accord ? Mais il faut aussi écouter cette entreprise, bien sûr, parce que les gens... Les cadres à tous les niveaux. Bien sûr, ils ont besoin d'une visibilité, ils ont besoin d'un cadre stable, et d'une administration qui connaît la chose économique pour pouvoir réglementer. Et tant qu'on ne se réconcilie pas avec ça, le développement à travers les marchés, le développement par les entreprises, qui est l'élément essentiel qui nous manque actuellement, parce que jusqu'à présent, on a fait le développement par l'administration, par le budget, par l'État, par le Trésor, ça coûte énormément. Et le développement par la création de richesses, par l'entreprise, par les marchés, nous manque énormément. Et pour cela, le code a été promulgué. Il faut accélérer le processus de réforme qui entoure cette chose. Et la même compétence dont on parlait tout à l'heure, qui est exigée par les Wali ou pour réussir cette réforme économique et la création de développement local, cette même compétence est exigée dans les administrations économiques qui, souvent, sont loin des logiques de marché et sont loin de la rapidité qu'exige la transformation de la réalité économique, Madame Souhaïda El-Hachmi. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez un instant, Monsieur Mahfoud Kaoubi, on a parlé, bien sûr, de la réappréciation de la valeur du dinar. Le président de la République, il l'a clairement signifié hier. Elle sera, bien sûr, introduite graduellement pour l'exercice 2023. Cela suppose qu'il y aura des changements sur la loi de finances qui avait inscrit une dépréciation de la valeur du dinar sur 3 ans. De 2020, 2021, 2022 et 2023. Donc il y aura des amendements certainement et des réajustements qui vont être introduits. Mais est-ce qu'il faudrait aussi envisager graduellement la convertibilité du dinar? Et vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, est-ce normal qu'il y ait un écart important entre le marché officiel et le parallèle? Seule la convertibilité du dinar mettra fin à cet informel, monsieur Mahfoud Kaoubi, qui pèse quand même l'équivalent de 90 milliards de dollars, et c'est un montant annoncé par le président de la République.
Oui, la dualité des prix et la conséquence par la dualité des marchés, c'est un constat. Maintenant, comment y remédier ? Le travail est lent et profond dans la mesure où les déterminants dans cette transformation, on ne les maîtrise pas d'une manière totale. Cette appréciation justement du dinar, elle est la résultante d'une conjoncture favorable, heureusement pour notre économie, et qui se traduit par un solde, comme je le disais tout à l'heure, par un solde positif de la balance courante, qui lui-même est la résultante de l'appréciation de deux éléments importants, qui sont les prix du pétrole et la valeur du dollar sur les marchés internationaux, accompagné par une dépréciation de la valeur de l'euro. Et un différentiel du taux d'inflation qui est favorable pour l'Algérie. Donc, au lieu que ça soit conjoncturel, Mme Souhil El-Hashmi, au lieu qu'on reste sur une vulnérabilité par rapport à des éléments qu'on ne maîtrise pas, parce qu'il faut le rappeler, vous disiez tout à l'heure que dans la loi de finances, il y avait une trajectoire vers une dépréciation du dinar. Sur 3 ans. Mais qui se faisait par rapport à un taux, à un prix du baril du pétrole qui était aux alentours de 60 dollars, ce qui est tout à fait normal. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une appréciation du taux, du prix du baril, et accompagnée d'une appréciation du prix du dollar, ce qui a donné, qui a permis une appréciation du taux du dinar par rapport aux monnaies étrangères. Et c'est la première fois depuis quelques années. Maintenant, pour permettre une stabilité et une durabilité en matière d'appréciation du taux de change du dinar par rapport aux autres monnaies, il faudra que la sphère de la production, donc la compétitivité de l'économie nationale, s'améliore. Et cela ne peut se produire qu'à travers le temps. Donc on tire profit de cette appréciation, encore une fois sur le plan du taux de change officiel, qu'on tire profit de ça pour stabiliser la consommation et le franc social. Mais qu'on tire profit surtout de cette amélioration pour relancer l'investissement et créer un environnement favorable à la production. Seule la production permettrait une stabilité permanente. Maintenant, unifier les marchés, ça serait l'idéal. Mais ça prendra du temps et l'unification des marchés ne peut être que le résultat de réformes amères, courageuse et qui nécessite du temps. Amère et courageuse, qu'entendez-vous par là ? Amère et courageuse, qui nécessite une réforme bancaire, qui nécessite une réforme des transferts sociaux, d'accord ? Donc, qui est importante, Mme Souhil El-Hashmi, et qui nécessite plus de travail aussi. Parce qu'il faudra le dire, la compétitivité de notre travail est loin de nos concurrents. Il faut qu'on travaille plus, qu'on travaille mieux, qu'on travaille d'une manière organisée, pour qu'on puisse avoir une valeur d'une monnaie nationale compétitive avec la monnaie des autres pays. Il a indiqué le président de la République sur la question du travail. Et bien sûr, les transferts sociaux, c'est l'équivalent de 18 milliards de dollars. Alors, la réforme aussi fiscale est importante pour accompagner toute cette modernisation de notre administration, M. Mahfoud Kaoubi. Elle est en cours actuellement, système d'informatisation. Est en cours, il faut de l'accélérer et l'accompagner aussi par des mesures courageuses. Je parlais d'une éventuelle amnistie conditionnée afin de libérer aussi les fonds que ça permettrait aussi. Amnistie fiscale, monsieur. Oui, conditionnée, d'accord. Donc pour qu'on passe. Mahfoud Kaoubi. Voilà, oui. Pour qu'on accélère les processus. Qu'est-ce que vous entendez par une amnistie fiscale conditionnée exactement ? Bien sûr, ça vise un peu le marché informel pour résorber l'argent de l'informel équivalent à 90 milliards de dollars. Mais qu'est-ce que vous entendez par quand une réforme conditionnée ? Quand on sait qu'il y a eu de l'évasion. Une amnistie fiscale. Voilà, quand on sait qu'il y a eu de l'évasion, qu'une bonne partie des capitaux qui est dans le marché parallèle est le résultat d'activités occultes, il conditionnait l'amnistie avec l'injection de ces fonds dans l'activité économique et la conditionnait pour ne plus reprendre des activités occultes. C'est ce que j'appelle conditionner. Mais pour cela, il faut mettre en place par l'administration les systèmes d'information qui permettraient donc de repérer ces niches, de les libérer
et de permettre que ces fonds soient au service de l'économie et non pas qu'elles soient des fonds qui servent à des transactions qui ne profitent pas utilement à l'économie nationale. Alors, M. Mahfoud Kaoubi, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, avec cette modernisation, mettre fin aussi à la fois du cash graduellement, puisqu'on a vu que par le passé, il y a eu énormément de réticences pour l'établissement du chèque, le chèque à 50 000 dinars pour les transactions excédant ce montant. Il y a eu de la résistance, il y a eu de le rejet de la part, bien sûr, des opérateurs et surtout des manœuvres au niveau de l'informel pour faire échec à cette tentative. Est-ce qu'il faudrait le réintroduire graduellement en mettant en place, bien sûr, des mécanismes pour aller vers la monétique, c'est-à-dire éliminer graduellement les prestations en cash? Oui, les éliminer en graduellement. Graduellement. Parce qu'on n'élimine pas le cash. Hein, tout à fait. Donc, on n'élimine pas à 100%. Tout à fait. Mais maintenant, il faudra donner plus d'incitation par rapport au paiement, que ce soit carte bancaire ou chèque, Mme Souhil El-Hajmi. Si on opère par une logique d'incitation, je dirais qu'on mettra les processus en marche. Maintenant, il faut passer à des solutions techniques qui permettraient de créer un climat favorable à plus de paiements modernes que de paiements par carte. Mais est-ce que ces réformes sont nécessaires et obligatoires et elles répondent à une logique géopolitique, puisqu'on a vu que sur le plan international, tout a été bouleversé avec cette crise de l'Ukraine et cette guerre, bien sûr, russo-ukrainienne, puisque les prix des matières premières ont explosé sur les marchés internationaux, comme par exemple le prix des céréales et certains autres produits destinés à l'industrie. Monsieur Mahfoud Kaoubi, les fertilisants, par exemple. Oui, bon, mais la conjoncture actuelle, sur le plan géopolitique, donne à l'Algérie une chance inespérée, Madame Souhil El-Hajmi, parce que il faut le dire sincèrement, certes il y a eu une augmentation conjoncturelle du prix du gaz et du pétrole, des prix des matières premières qui heureusement pour nous se stabilisent ces trois derniers mois et qui amorcent une baisse pour beaucoup de certaines matières premières durant les deux derniers mois. Nos revenus en pétrole et en gaz ont explosé durant l'année 2020 et ça constitue cette opportunité qui nous permet donc de mener et d'introduire les réformes. On aura de l'argent pour aussi engager ces réformes. Parce que les réformes, voilà. Parce que s'il n'y avait pas ça, voilà. On ne stabilise pas le front social et on ne réunit pas les conditions qui permettent d'amorcer le développement. Maintenant, c'est la question du temps qui est importante dans tout cela. Il faut aller vite. Puisqu'on veut aussi intégrer les pays du BRICS. Oui, bon, ça c'est un objectif à moyen terme, mais il passe par une voie qui s'appelle les réformes et le travail, et l'amélioration du travail, madame. Et c'est les réformes qui ont mené, bien sûr, ces pays à l'émergence, quand par exemple, vous avez l'Inde, vous avez la Turquie, vous avez la Chine, vous avez d'autres, le Brésil également, qui sont dans ce domaine-là. Tous ces pays, madame Souhil El-Hajmi, ont engagé des réformes et ont travaillé amèrement. Oui. L'exemple de la Turquie pourrait être intéressant. La Chine, la Chine, le Brésil, l'Inde, etc. Donc, quand on voit les niveaux de productivité du travail dans ces pays, c'est ça l'objectif qu'on doit transformer. L'Inde qui a supplanté la Grande-Bretagne, hein, oui, en matière, oui, voilà, oui, en matière de PIB, croissance. De croissance, voilà, de croissance de PIB. La semaine dernière. Voilà. Donc la croissance, c'est... Il a battu le pays... Le PIB colonisateur. N'est que la somme des valeurs ajoutées. Oui, le pays colonisateur. Oui. Mais donc, s'émanciper par le travail, s'émanciper par mieux d'organisation et s'émanciper par avoir des objectifs grands qui hisseront le pays à cet objectif, à cette grandeur dont tout le monde souhaite et tout le monde espère. Mais il ne faut pas espérer uniquement, il faudra produire le changement par des réformes, chasser l'incompétence. Tout à fait, Madame Souhil El-Hajmi, et donc par la production de systèmes d'organisation qui
favorise l'excellence, le travail, la modernité et qui exclut l'incompétence et la rente. Et des exemples à suivre de ces pays-là par rapport à leur réussite en 20 ans seulement. Mmh. Alors le taux d'intérêt pratiqué par les banques plombe les investissements car trop exorbitant. C'est la question de l'auditeur, monsieur Mahfoud Kaoubi. Dans le contexte actuel, est-ce qu'il faudrait que l'État prenne des mesures de telle sorte à assurer cet équilibre pour booster l'investissement ? Moi, je dirais, je suis pas d'accord avec l'auditeur. Donc, les taux d'intérêt actuellement sont relativement bas comparés avec le taux d'intérêt réel. Donc, si on compare le taux d'inflation au taux d'intérêt, on a en fin du compte des taux d'intérêt négatifs. Le problème ne réside pas dans les taux d'intérêt, il réside dans la capacité de créer un environnement qui permet de créer une valeur ajoutée qui peut rémunérer ce taux d'intérêt. Parce que, encore une fois, il faut, parce qu'actuellement le taux de marge ou le taux de bénéfice, je parle en connaissance de cause, est nettement supérieur au taux d'intérêt et il permet une rémunération du taux d'intérêt tel qu'elle est appliquée. Et il faut rappeler encore une fois que les banques vivent avec leur rémunération. C'est la rémunération des banques. C'est la rémunération des banques. Alors, vous avez des codes des investissements d'abord, moderniser l'administration fiscale. Où est la mise en place de l'application du bail éthique, puisqu'on a parlé aujourd'hui de la nécessité d'aller vers la numérisation du système fiscal. Elle a beaucoup, il parle du bail éthique, elle a beaucoup d'avantages pour les contribuables et elle leur permet d'effectuer des opérations à domicile avec la DGI, la Direction Générale des Impôts, et d'éviter les déplacements physiques pour présenter les déclarations fiscales, mais ça assure aussi de la traçabilité, la numérisation. Tout à fait. Donc, le système d'IBétique est mis en place. Il prend du terrain de plus en plus, d'année en année. Il faut l'accélérer, le rendre plus opérationnel, parce que souvent, il y a des problèmes de mise en œuvre de certaines opérations sur le système. Et plus ce système occupera tout le champ, plus il y aura d'égalité entre les assujettis ou les sujets fiscaux. Et c'est à partir de là qu'on pourra récolter les fruits du système tel qu'annoncé. Est-ce qu'il faudrait aussi impérativement, dans le contexte actuel, relancer la commande publique qui permet bien sûr la survie de certains sous-traitants qui travaillent au profit de l'État, puisque nous avons aujourd'hui un méga ministère chargé bien sûr des travaux publics, de l'hydraulique et également des grands projets, des projets structurants. Il faut relancer impérativement la commande publique. Puisqu'on a gelé pour un temps, qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. On n'a pas beaucoup d'argent, mais même aujourd'hui, il ne faut pas rêver qu'on a beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, mais on a des projets qu'il faut impérativement réaliser. Les infrastructures sont nécessaires pour l'investissement. On a un peu plus d'argent grâce au pétrole. On a un peu plus d'argent qu'il faudra On a gérer. Plus que certains pays, quand non. même. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est que cet argent en plus soit utilisé au mieux, d'une manière rationnelle, et qu'il bénéficie au vrai développement économique et social. Donc le gaspillage, on a énormément dépensé avant, ça n'a pas produit des objectifs. Donc il ne faut pas perdre la boussole. On a besoin de routes, on a besoin de chemins de fer. Justement. C'est les infrastructures qui permettent le développement. Oui. On a besoin d'établissements de santé. C'est ce qui permet un développement humain. Mais il faudra que cette dépense soit rationalisée, Mme Souhil El-Hashmi. Donc qu'elle obéisse à des programmes et à des objectifs concrets en matière de développement et d'amélioration économique et sociale. Donc, c'est ça le plus important. La question, ce n'est pas d'avoir plus d'argent, mais d'avoir l'aql et d'avoir un environnement qui permet de dépenser cet argent pour créer du vrai développement, Madame Souhil. Oui, on a besoin aussi des hôpitaux, des stations de dessalement, de chemins de fer, des routes, des autoroutes, etc. Et de rationalité. Voilà. À quand la crypto-monnaie ? Puisque maintenant aussi, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des moyens modernes de gestion de la finance, Monsieur Mahfoud Kaoubi. Ça commence très loin. Ça va très vite. Non, la crypto-monnaie, il ne faut pas qu'on brûle les étapes. La France a refusé le principe de la crypto-monnaie. Et l'Algérie le refuse aussi. Exactement. Il est interdit de par la loi. Voilà, interdit de par la loi. Voilà, donc crypto-monnaie. Oui, mais à un moment donné, on va y aller. On a une économie encore fermée. Le virtuel, il est en train de prendre des pas. Mais bon, ça ne sera pas pour demain, il ne faut pas rêver. Alors le tourisme, l'agriculture, le transport, l'énergie, c'est les potentialités de l'Algérie, puisqu'on a vu, dans le domaine des mines, on peut énormément faire.
Oui, c'est le travail qui est le potentiel. On a laissé en jachère les mines pendant toutes ces années, les terres rares. C'est le travail qui est le potentialité d'Algérie. On importe beaucoup de travail et on exporte peu de travail. Et par le passé, on importait beaucoup au détriment, bien sûr, mais de l'entreprise d'Algérie. Mais jusqu'aujourd'hui, on importe beaucoup, Madame Souhaïla Al-Hashmi. Et les besoins sont énormes. Donc, on a besoin de mettre beaucoup plus de travail dans notre production afin d'importer moins de travail, d'enrichir d'autres pays et d'exporter plus de travail qu'on exporte. C'est vrai, plus en important, on fait travailler les entreprises étrangères. Et donc, c'est au le détriment taux d'intégration de nos qui est déterminé dans l'évaluation des exportations. Donc, il faut une renégociation différente, avec une vision différente, même avec les partenaires étrangers qui vont venir investir en Algérie. Monsieur Mahfoud Kaoubi, au préalable, il faut qu'on se réconcilie avec le travail, qu'on travaille plus et qu'on ait des objectifs sociétaux. Ça, c'est le plus important. Le reste suivra, Madame Souhaïla Al-Hashmi. Quand on a du concret, les gens vont nous juger à partir de là. C'est le cas de l'Inde. C'est le cas des BRICS qui sont le modèle. Donc le BRICS, il ne faut pas qu'on le voit en tant que générique. Il faut qu'on le voit en tant que contenu. Et le contenu des BRICS, c'est le travail et c'est la compétitivité. Monsieur Mahfoud Kaoubi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt.